Et yo les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est ThomasRaptor67 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de FTB Academy. Alors normalement je devais le sortir hier, mais on va dire j'ai un peu tardé pour le tourner, hein, j'avais la flemme quoi. Et donc bah voilà, vous l'avez que aujourd'hui et normalement il y a une deuxième vidéo qui doit sortir juste après. Voilà, moi ça fait bizarre de le dire parce que moi je tourne hier, enfin vous le voyez demain, mais moi je tourne hier. Enfin, je le tourne hier pour vous, mais pour moi, c'est aujourd'hui. Enfin bref, vous m'avez compris, il y a un peu de retard. Hein, j'ai mon planning de vidéos à faire, c'est enfin le tournage, hein, j'ai pas dit que c'était de upload. Bref, bon, du coup, aujourd'hui, ce que j'ai... Alors, bien sûr, j'ai mis un petit peu... Enfin, vu que la render distance était pas ouf, j'ai mis le fog, comment ça se dit? Oh putain, comment ça se dit en le brouillard. J'ai mis le brouillard et ça a l'air de... Ouais, moins lagué, ça lag moins que la dernière fois, parce que la dernière fois on tournait 20 fps, ok d'accord. Bon là c'est 40, 45 fps, ça va, c'est jouable. Bon, aujourd'hui on va continuer les quêtes, alors je sais pas vraiment ce qu'on peut faire. Je pense qu'on peut commencer la transportation à... Ah, ok d'accord. Make it work, any cerveau. Comment on fait un cerveau? Iron Nugget, ok, donc il faut du fer en gros. Qu'est-ce que c'est ça? Reinforcement Retriever. Pull existant item fluid to itself. Ouais, j'ai rien, je comprends rien à ça. Bon, du coup, faut que je regarde le craft parce que vu que je suis un gros boulet, je me souviens plus du tout de. Ok, bon, ça c'est du signalum, mais on peut l'utiliser avec du fer. On va prendre du fer, ouais, on a largement ce qu'il nous faut. Voilà, on prend ça. On fait des petites nuggets. Nuggets, c'est bon. Ah oui, ça, c'est ce qu'on avait récupéré. Les mana in a bottle et le ancien tome, d'ailleurs. Faudrait qu'on se fasse une enclume. Mais bon, une enclume, c'est trop cher. Et on n'a pas de... Moi, j'allais dire, on n'a pas de sous. Mais oui, bah oui, on n'a pas de... On n'a pas d'argent, on va dire, sur FTB Academy. Mais je veux dire, on n'a pas les ressources pour... voilà. Donc, allez, on va faire... cuire ça et il nous faut bien sûr notre petite redstone. Et on a le cerveau, voilà, le cerveau avec un S et avec un O à la fin, parce que pour ceux et test innovation in moving item duct. Ah oui, ça c'est les item duct. Tin ingot, putain, ça a l'air facile en vrai. Aqueduc, Lidouis, facile. Alors, ça, on va le garder ici. Qu'est-ce qu'il nous faut déjà pour fluiduct? Voilà. Alors, fluiduct. Il nous faut du copper et du verre. Bon, on va le faire. On va prendre un sable. Eh, j'avais déjà du sable. Putain, je savais pas. J'en ai pris un trop. Ah non, j'ai peut-être dû en récupérer. Ah, je vais voir aussi notre énergie cell. 5,3 millions de RF. Comment dire que c'est trop. Enfin, c'est beaucoup. Là, on a plus, quasiment plus rien. Donc, on va mettre beaucoup de trucs. Voilà. Donc, 4 stacks, je pense, de sticks, ça sera pas mal. Voilà, donc là ça génère de l'électricité. Là on met les sticks qu'on a en trop et vous savez quoi, on peut se faire une hache, donc voilà, hop là, et on va se mettre, on va mettre les sticks ici pour le pitiful fuel générateur. Je sais même pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Ah oui, et avec le diamant qu'on avait récupéré, on a fait une pioche en diamant, on a récupéré de l'obsidienne et du coup on a un petit portail du nether. Sauf qu'on va pas y aller maintenant, tout simplement parce que je suis pas assez stuff, hein. J'ai que du un full fer avec de l'invar. Et comment vous dire que c'est... Ça va, c'est un assez bon stuff, mais c'est nul. C'est nul encore. Bon, alors, pour le fluiduct, on avait dit, ouais, il nous faut du verre, et on a effectué notre verre. Il nous faut du copper aussi. Est-ce qu'on a du copper? Oui, on a du minerai de copper, mais on n'a pas de lingot de copper. Ça, c'est embêtant.
nous faut fluiduct. Ah, il y a des fluiduct, les flugas, fluiduct opaque. Ok, attends. Et item duct, item duct, vacuum, item, non, je, voilà, juste item duct. Ah putain, faut du hard node, je sais pas quoi là. Hard node glace, ok. Induction smelter, crafting. Oh, mais comment on fait ça? Ça a l'air chiant, putain. Ah bah non, on n'a pas besoin de harnais, je sais pas quoi, on a juste besoin de glace en fait. Enfin, de glace entre guillemets. Alors, fluiduct. Et qu'est-ce qu'on débloque? Choice reward, fluiduct. Franchement, on va prendre les plus stylés parce que c'est bien. Lava duc, Arnold fluiduc. Ah oui, ça c'est pour le. Ok, d'accord. Et Arnold. Oh putain, faut l'invar. Oh, c'est chiant. On a plus d'invar, je crois. On a plus d'invar. Fluiduc, il nous faut quoi? Du tin, je crois aussi. J'ai plus. Item duc. Ouais, il nous faut du tin. Du tin, du tin, du tin. Merde, pourquoi je cherche là? Attends, si, mais non. Tin, est-ce que j'espère qu'on a du tin encore? C'est bon, on a du tin. Allez, le copper, ça dégage. Le tin, bonjour. Il nous faut 2 lingots de tin. Comme ça, au moins, on débloque un petit peu tout ce qui est transport des items. Ni bloc glace hard node. Oh. C'est chiant. Hard node, hard node, hard node, hard node. Voilà. Je vais réussir. Hard node steel, non, je veux pas du steel. Bronze, 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 bronze. Ok, c'est bon. Oh. En vrai, pulvérise lead c'était bon, mais pulvérise obsidienne c'est un peu cher. Et Pyrotheum Dust. Faut que j'aille dans le laser. On va se faire un pulvériseur, vous savez quoi? Objectif. Vous savez quoi? La vidéo, on va aller dans le laser. Pour cette vidéo, on va aller dans le laser. On va essayer de pas crever. Bon, ça devrait aller. On a quand même une assez bonne armure. Est-ce que j'ai. Ah, boum. Est-ce qu'on a du nickel encore pour faire de l'invar? Ah ouais, non, mais deux. Est-ce qu'on peut pulvériser. Est-ce qu'on peut pulvériser du nickel? Enfin, du pulvérisé nickel. Ah putain, c'est qu'avec. Oh, on peut avoir du platine. Cool. Bon, 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 bon. On va se faire d'abord le. Pulvériseur, hop là. Oh putain, il nous faut des flints. Est-ce que j'ai des flints? Parce que je me souviens pour avoir fait la. Oui, j'ai des flints, heureusement. Copper gear, redstone reception coil. Ok, c'est bon. Est-ce que j'ai de l'or? Oui, j'ai de l'or. J'ai de l'or, heureusement. Alors, ça, c'est de l'électrum, mais non, on veut l'or. Putain, deux lingots d'or. Faut qu'on aille miner. Dans un biome Mesa, je crois, il y a plus d'or dans les biomes Mesa. Et on a plus de, on a presque plus de mom spaghetti. On a presque plus de spaghetti, il fait chier. Bon, alors, réception, je sais pas quoi. Voilà, ça c'est bon. Copper gear. 1 2 1 2 1 2 1 2 copper gear, c'est bon. Alors, ça c'est bon. C'est bon, les flints c'est bon, le piston, j'ai pas de bois, j'ai pas de cobble, si, si. Voilà. Hop là. Machine frame, tin gear. Dis-moi qu'on a encore du tin. Oh putain, ouais. Ok, bon. Alors, machine frame.
Il nous faut encore 4 de sable et on pourra faire le pulvériseur. On va faire le pulvériseur et comme ça on pourra dupliquer nos minerais. Ça va être intéressant pour le nickel, parce que le nickel, c'est comment dire qu'on en aura besoin en fait du nickel. Voilà. Hein? On a besoin du nickel pour faire de l'invar, pour se faire une armure, pour se faire des outils. Ah mais non, j'avais encore une glace, donc j'avais encore un de verre. Bon, c'est pas grave. C'est bon, on peut faire notre machine frame de Témor. Voilà. Pulvériseur. Super, trop génial de la moitié. On va juste couper ça et voir combien. 5,5 millions de RF, d'accord. Là, ça se remplit. Et c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, pour faire du coup du lead, il nous faut des minerais de lead. Mais est-ce que des minerais de. Est-ce qu'on a des minerais de lead? Je crois. Oui, heureusement qu'on a. Il nous en faut un. Voilà, ça se remplit petit à petit. Bon, ça, on va stopper un petit peu, parce que voilà, 5,5 millions de RF, c'est déjà beaucoup, hein, vu au point où on en est. Ok, du coup, il nous faut. Oh, putain, il nous faut de. Il nous faut de la. De l'obsidienne. Bon, on va transporter de la lave dans de l'eau, donc on va aller chercher de la lave dans un de nos waypoints. Bah, voilà, mine. Certainement qu'il y aura. Dis-moi qu'il y a. Dis-moi qu'il y a de la lave. S'il n'y a pas de lave, je te bute. Oui, bah, ça. Pas besoin de réfléchir, je savais déjà qu'il y avait de la lave. Voilà, allez. Waypoint base. Alors, je suis plus sûr si on pose un seau de lave. Oui, c'est bon. Et je crois que c'est comme ça, hein, le pulvériseur, je sais pas quoi. Ouais, bon, bref, on verra. On verra si c'est ça. Obsidienne. Et si on peut aller dans. Oh putain, yes. Ok. Alors, certainement, je sais pas s'il va nous donner de dust, mais j'espère. Croisons les doigts. Croisons les doigts, s'il vous plaît. 4. Ok. Bon, bah, on a ce qu'il faut. Niveau poudre de. Je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il nous fallait encore? Du pyrothéum dust. Pyrothéum. Pyrothéum dust, c'est ça. Blaze powder, sulfure. Ah oui, ça faut un netherrack. Donc, on trouve des blazes, on bute les blazes, on prend de la blaze powder. Enfin, on prend les sticks de blaze, on transforme ça en blaze powder. On fait du sulfure. Et on peut se faire ce pyrothéum dust et après ce. Hein, ce machin de hardeneux de glace de merde, juste pour. Le transport, d'ailleurs, j'avais pas vu que j'avais débloqué une quête. Merci. Merci, merci, merci. Bon, on va mettre le nickel du coup à pulvériser ici, parce qu'on a de la, on a peut-être une chance d'avoir du platine, si on a de la chance. Et nous, on va aller dans le nether, voilà. Honnêtement, si je décède dans le nether. Voilà, déjà je vais avoir le seum. On va mettre tout ça ici. On a juste le flint and steel. Attendez, déjà je vais claim. Parce que je me souviens que j'avais. Ah si, c'est bon, je suis dans le claim. Bon. Oh putain, faut que je trouve une forteresse. Oh, c'est chiant. Bon, on va quand même y aller. C'est parti. J'ai pas envie de mourir, s'il vous plaît. Laissez-moi en paix, pardon, pardon, ça c'est parce que je soufflais dans mon micro sans le vouloir, désolé. Minecraft ne répond pas, ça veut dire qu'il n'aime pas Minecraft, que j'aille dans le Nether. Minecraft ne veut pas que j'aille dans le Nether. Va dans le Nether. S'il te plaît. Nous sommes dans le Nether. On va directement placer un waypoint pour éviter de se perdre dans le Nether
Je suis bloqué dans les heures. Au pire, de toute façon, on peut retourner à la base avec les waypoints. Si Minecraft veut bien. Ah, je vois même un. Et pour une fois, on a plus de 60 FPS quand même. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on est au-dessus de la lave? Ça veut dire qu'on peut pas aller dans le nether? Ça veut dire qui? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire qu'on peut pas aller dans le nether? Ça veut dire qu'il me faut des blocs, fait chier. Bon, au moins on va placer notre waypoint. Non, on va placer notre waypoint. Point, portail. Nether. Save. Et on va se. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire justement pour trouver si on est dans l'air? S'il n'y a pas de nether, ça va être un peu compliqué. Mais bon, vu que j'ai vu de la lave, je me dis, bon, il y a du nether. Mais comment on veut. Veux-tu que je. Comment est-ce que tu veux que j'aille dans le nether s'il n'y a que de la lave? Hein, comment est-ce que tu veux ça? Bon, vous savez quoi? On va poser notre armure. Même si c'est pas pratique d'aller avec. On va essayer d'aller de trouver une terre ferme entre guillemets du nether. Oui, là je peux dire terre ferme parce qu'il y a de la lave. On va essayer de trouver ça. Ah mais attends. Est-ce que je vois bien? Ok, c'est bon. On a juste à aller là. Merde, quel con. Donc vous savez quoi? On va se balader sur le toit du Nether. Mais d'abord, il nous faut notre pioche. Parce que si on veut. Bah juste prendre notre pioche, hein. Juste prendre notre pioche. Voilà. Ah ouais, déjà plus de un quart d'heure de break. Ok, bon, on va essayer de faire au moins une demi-heure. Bon, allez, prenons notre petite pioche. En espérant ne pas décéder avec. Honnêtement, je sais même pas si ça va être suffisant. Moins 58 blocs, je pense. Je pense on va espérer. Et mon Minecraft ne répond pas, c'est génial. J'espère qu'il a pas crash, parce que s'il a crash, c'est la fin de la vidéo. C'est bon. Nous sommes safe. Tu ne vas pas me téléporter dans l'overworld. J'avais oublié qu'il y avait hors excavation. J'avais oublié qu'il y avait hors excavation. Quel con. Bon, j'espère que ça n'a pas cramé, hein. Ça a cramé, d'accord. Ça n'a pas cramé. Mais là, je suis obligé, je suis désolé, les amis. Voilà. Je suis obligé, parce que mon stuff est irrécupérable, de commettre le crime. Suis désolé. Bon, c'est la seule fois vraiment, parce que là, on est vraiment en difficulté, max. Parce que là, on a quand même perdu notre stuff. À rigueur, t'as une tombe. Tu peux respawn sur ta tombe. Voilà, donc là c'est bon. Bon, je vais partir. Je suis désolé, hein, c'est là, sinon c'est injouable. On a des trucs de Nether ici, oh, je sais pas, d'obsidienne, pardon. Basalte, quark, super, mais moi je veux pas du basalte. Tiens, bah super, hop là, il y a du cobalt, ça va être bien pour faire une pioche cheat. Voilà, je suis désolé de me commettre ce crime. Je suis confus de le faire, mais je suis obligé. Oh putain, oui. Oh, quel con. Mais je suis vraiment le pire des cons. J'avais encore oublié qu'il y avait ce putain d'excavation. Voilà pourquoi j'aime pas. Si je l'aime pas, il est cool ce mode, mais il y a des fois où c'est de la merde. Voilà. Et ça, c'est chiant. Oh, je vais être obligé de me remettre en game mode, je sais pas quoi. Donc vous savez quoi? On va pas se mettre en game mode 0. On va faire comme ça. Bon, au moins, si on respawn, on sera pas dans la lave. Enfin, si on fait slash back, on sera pas dans la lave. Et ça, c'est plutôt cool. Bon,
Allez. Level cobalt. Me dis pas kiff. Putain, faut pas. Ah merde! Ça c'est chiant par contre. Bon bah tant pis, hein. Quand même qu'on trouve une. Bon, on a déjà de la netherrack pour faire le sulfure. Si on arrive à avoir du sulfure, parce que. Ah mais on peut casser la main. Ouais, c'est parce que la netherrack c'est tellement pas. C'est tellement pas. Comment dire? Il y a tellement pas de. J'ai cru que j'ai. Oh, un petit pigmen. Il y a tellement pas de résistance sur ce bloc que. Bah, c'est de la merde, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Dimensional Shard Or. RF Tools. Oh! Ah oui, c'est vrai que j'avais mis RF Tools. Voilà, c'est pour la. Enfin, pour le builder block, parce que sinon je. Je ne peux pas jouer avec. Sans RF Tools, justement. Pas à quoi ça sert le dimensional shard, mais j'espère que ça sert à quelque chose. J'ai peur de la lave. Est-ce qu'on refait un chemin? J'espère que j'aurai assez de. Pire, j'ai de la netherrack, mais. YOLO! C'est sérieux, non? Genre, la lave, elle ne. elle ne coule pas? Et en fait, bah, je meurs quand même dans la. Bon, ça coule pas, mais je meurs quand même. Pardon, ça c'est mon micro, désolé si ça fait un gros bruit. J'ai tapé dans mon micro. Voilà. Encore dimensional shard. Enfin, dimensional or. J'avoue, en plus, au pire, j'ai les netherrack. Bon, ça c'est un peu chiant par contre qu'on puisse pas se faire la cobalt or. On va essayer de quand même se faire la. La pioche en obsidienne, parce que je crois que c'est possible. En plus, on a de l'obsidienne. Il y a l'obsidienne ici. On va essayer d'aller vers l'obsidienne et essayer de pas crever. On va créer un petit truc parce que je vais utiliser hors excavation. Oui, je vais essayer d'utiliser hors excavation. Mais on va essayer de pas tout foutre dans la lave. J'espère qu'on va pas foutre tout dans la lave quand même. Ok, c'est bon. On a deux stacks d'obsidienne. On est pas mal niveau obsidienne, je pense. Hein. Ou non, vous savez, vous croyez pas, non? Non, je pense que si. Hein. Voilà, on est pas mal obsidienne. On est pas mal niveau d'obsidienne. De chercher quand même une petite petite forteresse du Nether parce que c'est un peu chiant. On a tout juste assez de Netherrack, par contre je garantis pas qu'on. Vous savez qu'on va un petit peu augmenter la render distance parce que voilà, Tiny c'est pas ouf. Voilà, 5 short, même si ça lag un petit peu plus. Franchement, comme ça, si on a une. Aïe, comment dire? Une forteresse. Putain, ça c'est du gros. C'est du draconium. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Utile le draconium? Putain, deux filons. J'ai de la chance, j'ai de la chance. Non, petit pigman, ce n'est pas à cause de moi que tu es tombé. Oh putain. Oui, oh, c'est bon. Oh, j'ai tellement de la chance, en vrai. J'ai de la chance et j'ai pas de chance. C'est le l'effet secondaire. Voilà, quand t'as de la chance, t'as pas de chance. Enfin, quand t'as pas de chance, t'as de la chance après. Et on se met très bien. On a 18, on est à 18 de draconium, hein, même si le draconium, on va dire, on a clairement pas assez de ressources pour faire. Full wyvern, hein, mais. Oui, ce que je dis wyvern, parce qu'il y en a qui disent yern. Je disais yern d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je disais yern, mais je disais yern.
Yolo, ouais. Oh putain, j'ai oublié les spaghettis. Fais chier. Je suis trop chanceux. Mettez le hashtag je suis trop chanceux dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais moi je veux pas être chanceux comme ça, mais je veux avoir une forteresse du Nether, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous jure que j'ai rien touché à la génération. Parce que généralement, normalement, le draconium, c'est quand même assez rare, hein. Alors là, c'est pas rare du tout, j'ai l'impression, dans le Nether. Ah, attends, est-ce que j'ai la luminosité? Oui. Pourquoi alors c'est aussi sombre? Peut-être parce que c'est le Nether, mais je veux dire, c'est très sombre. Faut aller trouver une forteresse. Aïe. Pourquoi je dis aïe alors que bah, j'ai pas mal en fait. Pigmen, ok. J'ai cru que c'était un bébé pigmen. Et pigmen, enfin les bébés pigmen, c'est chiant. Qu'est-ce qu'on a droppé? Ah non, si, je croyais qu'on avait droppé quelque chose. Je croyais qu'on dupliquait des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai vu deux blocs à un moment. Non, c'est pas ce que je cherche. Moi, je cherche une forteresse, s'il vous plaît, serait gentil. Pour faire. Enfin, pour tuer du Blaze. S'il vous plaît, pour faire mon putain de hard nœud de glace. S'il vous plaît, hein. Ce serait sympa. Est-ce qu'on prend le risque d'essayer d'aller là-bas? Bon, il n'y a pas de ghast, donc ça va. Jamais sous-estimer les ghasts. S'il vous plaît, ne jamais sous-estimer les ghasts. Je sais même pas si on aura assez de blocs. On va essayer de pas crever parce qu'il y a la lave en dessous. Je viens juste de le voir à l'instant. Je viens juste de le voir à l'instant qu'il y avait une forteresse ici. Alors j'espère juste que c'est pas un couloir de. D'accord. Bon, bah c'est super. On a trouvé notre forteresse, alors on va placer un waypoint. Forteresse. Save et on va se TP justement à notre petite base. Non pas waypoint comme ça, mais je veux dire waypoint. On va remove toutes nos morts. Parce que oui, je suis mort plein de fois. Portail du Nether, on va se téléporter. Et on va se foutre là-bas. Et on va voir dans le pulvériseur si on a chopé du. Platine, et oui, on a chopé un platine, c'est cool, on va pouvoir le faire cuire. C'est notre premier lingot de platine. Putain, c'est vrai qu'on a notre draconium dust. Va faire cuire le draconium dust, voilà. Et on va se faire une. Ah putain, oui, bouffe, vite. Manger. À manger, à manger, à manger. Là. Ici, ici. Je t'agrippe les spaghettis. C'est quand même mettre quasiment toute notre stack. Ah oui, oh! Draconium. J'ai obtenu Draconium. Waouh! Putain, ça nous donne le gravier. C'est vrai, le sulfure, attends. 15%. Putain. 15%. Sérieux? On va attendre. Notre netherrack ici, parce que ça nous sert à rien. Dimensional shard, ça a l'air bien. Ça va le foutre ici, ça c'est important. Voilà, je lui dis à chaque fois, c'est important, c'est bon, on a compris, Thomas Raptor, ferme ta gueule. Hein, ça serait sympa. Voilà, bon. S'il vous plaît. Je demande qu'un seul de sulfure. On dit pas de gros mots. Qu'est-ce que c'est ça? Énergie pilon. Draconium. Argonic core. Ah oui, putain, c'est hyper cher. Ah, mais c'est vrai que le draconium, c'est hyper cher. Bah oui, putain, c'est le truc le plus rare. Allez, mais putain, mais donne-moi du sulfure, connard. Bon, c'est pas grave. Allez. On va prendre notre petite épée. Ainsi que notre petite armure. Parce qu'on va. Quand même, hein, c'est pas. Le clodo, les blazes, hein, c'est pas.
Comment dire, c'est... Ah putain, c'est la nuit, faut que je dorme. Faut éviter qu'il y ait des creepers dans ma base, qu'ils explosent. Parce que je vous rappelle qu'on a 15 morbes de creepers. Ça serait sympa que... voilà, hein, on ait au moins ce putain de... S'il vous plaît, voilà, je prie pour qu'on ait du sulfure et pour qu'on trouve des blazes, surtout parce que si on trouve pas de blaze, on est clairement mort en fait. Non, c'est bon, ok. Ah oui, je comprends. On a trouvé notre blaze, mais c'était pas ce que je voulais. On a trouvé notre blaze. Je pense que j'ai trop prié en fait. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être pas dû, parce que du coup on a notre blaze, en fait on est retourné dans notre... Putain, ils font sacrément mal en vrai. Ils font salement mal. Est-ce qu'il y a Construct Armory? Juste pour savoir. Non, pas F. Parce que comme ça on peut se faire une petite armure. Construct Armory Armor. Arctic Wood. Arctic Jacket. Ça a l'air plus résistant que ce que j'ai. Arctic Four, Block of Arctic Four, Arctic Four. Oh putain, c'est Twilight Forest. Mob Winter Wolf. Mob Empty Winter Wolf. Oh. On va se faire Armor. Bon. Diamant Armor. Plate, ah putain. Bon, on va voir chest plate, tout ce qui peut être à portée de main mais qui est pas trop cher. Et platine, c'est bien. Style, non. Electrum, non, c'est de la merde. Inverse, c'est de la merde. Bronze, c'est de la merde. Comment on fait le bronze d'ailleurs? Comment on fait le bronze? Bronze blend, platine, copper. Ok, d'accord, faut de l'étain du copper. Constant temps. Waven chestplate, 4 millions de RF, 32 millions de RF, ok d'accord. Void Crystal, Diamantine Crystal chestplate. On a combien de diamantine? 3, on a même pas assez pour se faire des bottes. Sérieux. Emerald chestplate. On n'a pas chopé les émeraudes? Si, non, je crois, non, si, je vois. Chestplate, oui je sais, c'est 256 millions de RF. Et bah dis donc, hein. Dis-moi que t'as trouvé du sulfure, toi. Ah, c'est bien. T'as trouvé du sulfure, maintenant il reste plus qu'à trouver. Bon, déjà faut de la bouffe, parce que si on n'a pas de bouffe, c'est là. Pourquoi j'ai ça? Je crois que j'avais pas de bouffe. Bon, allez, on va faire cuire ça, nos draconium. On le fout là. Ah, faire cuire notre mouton et notre steak comme ça. Oh putain, ça va vite. Remarque, c'est normal, on a quasiment tous les trucs d'électricité. Moi, je pense que ça va être l'épisode le plus long de FTB Academy, mais j'arrête l'épisode que quand on a trouvé un putain de blaze qui nous pète pas la gueule. Voilà. J'y pense. Est-ce qu'on peut se TP à nos waypoints, dimension de end? Non. Mention hall, forteresse, téléporte. Ah, mais oui! Mais je suis complètement débile! Pas complètement débile, je vous permets pas, monsieur, quand même. Cru voir du. Non, okay, c'est dans mes rêves, j'ai cru voir du draconium or. Alors, on a des pigmen. Moi, j'aimerais un spawner à blaze. Ah, oh, bah voilà, tiens, il y a du blaze là-bas. Là-bas, il y a du blaze, il y a un petit wither squelette. On va essayer de le buter parce que le wither squelette, évidemment, on avait ça. J'y ai cru. Regardez-moi. Blaze, il est là. Il était là. Il est plus là. Oh, putain, j'ai pas vu qu'il y avait un trou. Oh, fait chier. Bon, alors dis-moi que c'est un spawner à blaze. Ça m'a tout l'air d'être un spawner à blaze.
Pourquoi j'ai fait shift encore? Je suis con quoi. Enfin, j'ai pas fait shift. Pourquoi j'ai sneak? Donc, vous savez quoi? On va changer le. Pourquoi? Bon, bah, officiellement, c'est l'épisode du fail. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Non, j'éconne. Je veux faire ce putain de Arnaud Glass et on finit l'épisode. Je veux faire ce putain de bloc de merde. Même si ça prend 10 000 ans. Si au pire, si mon Minecraft crash. Voilà, c'est. Voilà. Pire, on arrêtera l'épisode et puis on. Je le ferai hors caméra. Et je le ferai legit. Je ne ferai pas le crime que j'ai fait. Ça va être le titre de la vidéo, le crime. J'ai fait un crime. Voilà. Sinon, discutons un petit peu. Merci pour les 323 abonnés. C'est gentil. Hein. C'est très très gentil. Et j'aime les pattes. Voilà. Mettez-moi dans les commentaires. Hashtag j'aime les pattes, s'il vous plaît. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Ce qui est pas fort probable parce que les gens qui s'abonnent ne regardent même pas mes vidéos. Voilà, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et ne dites pas que c'est mes faux comptes parce que je peux pas avoir 323 faux comptes. Hein. Je peux pas avoir 300. Les autres peuvent pas avoir 323 faux comptes. Hein. J'ai pas 323 potes. Et hélas, hein, j'aimerais bien. Mais hélas, voilà. Je n'ai pas ça. Voilà. Donc voilà, personne met des commentaires. Si, si, bon, je déconne. Voilà, vous mettez des commentaires, mais sur les vidéos qui font plein de vues, genre on crée une vidéo sur l'AMS hein, qui a fait 14 000 vues, un peu plus, je crois, à cette heure-ci. Voilà. J'aime les pattes. J'ai dit deux fois, pourquoi j'ai dit ça? Non, parce que j'ai rien à dire, j'attends que mon Minecraft se lance là, putain de truc de merde. Et j'avais pas un blaze. Hein. C'est tout calme maintenant. Ah putain, pardon, ça lag au début. Si j'entends blaze. Bon, en tout cas, il y a un putain de. J'ai cru qu'on allait choper une tête. Emerald Crystal. Connard. Yellow Run. Green Run. Blue Run, je sais pas quoi ça. Ah, c'est rune, ok, d'accord. Putain, j'avais pas compris. S'il vous plaît, petit spawner à Blaze. Non, tu veux pas? Tu veux pas me donner un petit spawner à Blaze? Non, tu. C'est vraiment l'enculé. Hein. Va te faire foutre. On va aller sur le toit de la forteresse. Elle est pas finie encore. Oh putain, je savais qu'il y avait du Blaze. Oh les enculés. Bon, c'est bon, je vais mourir encore. En plus, il vise bien, c'est con. Hein. Je suis encore mort. On va essayer hein, d'aller chez les Blaze. C'est fort probable que je n'y arrive pas. On va essayer. Et puis, vu l'armure de merde que j'ai, je pense que l'épisode va durer 50 minutes. 50 minutes quand même. Et moi qui veux pas faire de montage. Si le rush faisait 50 minutes, voilà. Je serais très mal. Encore? J'ai même pas spawné. Oh, j'ai gagné un sulfure. Cool. Ne meurs pas, s'il te plaît. Bon, ils sont où les putains de blazes de merde? Ok, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, ces schlags. Tu vas pas me tuer, connard, hein? Est-ce que ça me donne un knockback? Je suis pas sûr que les boules de blaze me donnent de knockback. On va quand même aller buter ce putain de blaze de merde. Connard. Va te faire foutre. Petit con. Viens, 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 je t'attends. Viens, je t'attends. Ah, tu descends. Ah, tu descends. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Allez, viens. Viens, mon petit, viens. Viens. Je vais me faire déboîter, mais.
vient. Il y a un blaze. Putain, et dire qu'on peut pas. Putain, en fait, c'est moi maintenant qui va être. Oh, nique ta mère. Ne dites pas des gros mots, les enfants, c'est pas bien. Même pas droppé de blaze rod, cet enfoiré. Oh, c'est chiant. Sérieux. Si je ne finis pas la vidéo. Et je me fais toucher comme un con, évidemment. J'ai une épée en pierre, mais t'es sérieux, c'est de la merde. Oh, mais j'ai plus de bouffe en plus. Super. Emerald Crystal, est-ce que ça se bouffe ça? Non, ça se bouffe pas. Ça se bouffe ça? Non, ça se bouffe pas. Putain. J'ai envie de bouffe. Il faut de la bouffe, putain. Pas la vraie vie, hein, parce qu'il y en a des petits gros. Hein. Non, non, mais là, j'ai vraiment. Sur Minecraft, là, il me faut de la bouffe. Hein. Parce que j'ai. Est-ce que, s'il vous plaît, il me faut juste. Yes! Ok, c'est bon. Allez, on se téléporte vite à notre petite bazounette. Move, yes, remove, opsi, opsi, mine, nickel, biome, base, base. Allez, téléporte. Oh putain, c'est bon. On a notre putain de blaze rod, on va pouvoir finir cette quête. On va pouvoir enfin, peut-être, admirer la gloire qu'on va avoir avec, avec ça. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like pour moi si vous voulez mettre un like et abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est gentil. Oh putain, en plus j'ai envie de bouffer sur Minecraft, je vais le lire avant, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a de la bouffe encore? Bon, on va faire vite faire cuire de la bouffe. Allez. Toi t'es pas full toi. Ah mais en fait c'est lui qui fournit. Ça j'ai que moi, il y a que dalle. Il y a plein de poulpes dans mon étang. Et on va faire ce putain de truc de merde. Et me dites pas qu'il faut encore un truc que j'ai pas. Parce que là je pète un câble. Allez, redstone, sulfure. Oui. On va prendre notre truc comme ça. Le lead. Ça. Pyrothéum dust. Et il nous faut notre copper. Le copper est où? Là. Sérieux? C'est pas... Ah non, c'est du tin. C'est du tin qu'il faut. Est-ce qu'on a du tin? On dit pas qu'on a pas de tin. Si on a pas de tin, je pète un câble. On a pas de tin. Silver. On a pas de tin. Est-ce qu'on a du tin ici? Je pète un câble. Je pète un câble. C'est bon. Oh, c'est chiant. Allez, waypoint, mine. Allez, trouve-moi du tin. Hop là, mine des tin. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Hop là, du tin. C'est du tin. C'est génial. On se re-TP à notre base. FTB Academy. J'ai dimension, ça. FTB Academy. Ah, ok, j'ai compris. Overworld. Base, allez. C'est bon, on a notre bouffe. Et maintenant, il faut le tin. Oh, j'aurais pu le dupliquer, mais j'ai la flemme. Super, on a encore un sulfure, mais je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Clairement. Et je comprends pourquoi c'est aussi lent. Allez. Pendant tout l'épisode, on a galéré. Et on a enfin... ce putain de truc de merde qui est un item duct. Ça va être cool quand on aura la quarry. Alors quest, sinon qu'est-ce qu'on a encore? On va continuer, hein. Non mais c'est bon, on a pris pour qui? On va pas continuer l'épisode, il fait déjà 45 minutes, franchement 45 minutes cet épisode, hein. Voilà.
voilà, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Il n'y a pas eu trop de lag pour une fois. Voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine hein, pour l'épisode 9 ou pour une vidéo. Je crois que... Ouais, l'épisode... Prochain épisode, ça va être... si je regarde sur mon planning, ça va être le 29. Parce que du coup, on a un jour de retard. Donc, normalement, je devais faire une pause le 29. Voilà, moi, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, mettez un petit like. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ce qui est fort probable. Enfin, ce qui est pas probable du tout, en fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut! Et j'arrête l'enregistrement. Ciao!